Hey Matelot, ici Defroy pour aujourd'hui vous montrer un tutoriel pour réaliser ce chalet sur Minecraft, un chalet moderne de luxe, hein, clairement. Je me suis laissé aller au niveau des charpentes, vous allez voir ce que vous allez voir, mais pour ceux qui étaient avec nous sur Twitch, vous savez de quoi je parle, on a pété un boulon au niveau des charpentes, j'avais envie de faire des trucs le plus sympa possible. Regardez-moi ça, est-ce que ça vous fait pas vraiment penser à un chalet qu'on peut retrouver dans les montagnes, n'est-ce pas? Regardez-moi ça, là c'est vraiment le truc que j'aime bien. Regardez-moi ça au niveau de l'intérieur. Regardez-moi ce toit. Regardez-moi ce bois, ces charpentes dans tous les sens. Ah j'adore. Moi j'adore, parce que ça donne vraiment un côté hyper chaleureux. Vous savez le côté bois, déjà de toute façon ça donne quelque chose de chaleureux, mais... avec toutes ces grosses charpentes là, ça fait vraiment maison traditionnelle, mais à grande échelle, version luxe en fait, on va dire. Et avec cette immense cheminée aussi, là vraiment, lorsque j'aménagerai la maison, on mettra la grande table ici à ce niveau là, vous voyez, en dessous tout ça. Si ça, ça fait pas sympa, quand même, hein. Alors, donc comme à notre habitude... je vais vous donner le nombre de blocs dont vous allez avoir besoin pour réaliser la maison. Hop. Ok, donc une fois que vous avez ça, j'ai enlevé les shaders pour que ce soit plus clair. On va vous donner, enfin on va, je vais vous donner les dimensions pour réaliser le plan au niveau du sol pour la maison. Ok, alors une fois que vous avez ça, l'idée c'est qu'on va monter les murs à 5 blocs de hauteur, n'est-ce pas? Donc au niveau de la cheminée, on va utiliser un mélange de pierres. Donc alors je vais vous montrer un mélange de pierres dans le style donc de la stone brick, de la roche classique, de la pierre, du tuf, un peu d'argile, un peu d'andésite, vous voyez, et on va mélanger un petit peu tout ça, la cobblestone et tout, de manière assez aléatoire sur la cheminée. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Sur le reste des murs ici, on va surtout utiliser de la pierre taillée. Alors pour le coup j'utilise aussi le pack de textures Faceful x64 pour ceux qui se poseraient la question. Et donc voilà, ça va être essentiellement des pierres taillées comme ça partout. Et on va juste mettre des andésites polies de temps en temps dans le mur, mais pas beaucoup non plus. Il faut que ça soit largement plus de pierres taillées que d'andésites. Ok, vous voyez, mais pas trop. D'accord, donc c'est ça l'idée. La cheminée, c'est effectivement ce cadre-là. Ok. Et bah les murs, c'est tout le reste. Allez, let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Alors, j'ai aussi juste surélevé la cheminée à ce niveau-là. Hein. Vous voyez la place pour la cheminée de 1 bloc de plus que le reste. D'accord. Voilà. L'idée maintenant, c'est qu'on va venir mettre les poutres qui vont venir soutenir la structure. C'est-à-dire, je vais vous montrer ici. Hop. Donc voilà, on va faire ça maintenant. C'est-à-dire tous les poutres ici qui sont juste au-dessus de la partie en pierre et qui vont permettre de faire un quadrillage de poutres pour la maison, au niveau du sol. Enfin, du sol de l'étage. Voilà. Donc du coup, on va partir de la cheminée là-bas et on va mettre des poutres à l'extérieur. Donc on va prendre, vous voyez, ce bloc-là, ici en diagonale. On met une poutre en bois sur toute la longueur. Hop, on passe au-dessus de là, ok, jusque là. Hop, ici, on repart dans l'autre sens. Et en gros, voilà, on va juste
mettre une poutre comme ça avec juste un bloc de décalage sur le côté, sur toute la... pas de la surface, mais sur toute la longueur de la maison, je devrais dire. Sur tout le périmètre, peut-être. C'est plutôt ça le terme approprié. Hop. Hop. Comme ça. Et on recolle ici, vous voyez. Tac, 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 tac. Ok, maintenant du coup, qu'on va partir de cette base-là, je vais vous donner les dimensions pour réaliser le reste des trucs. Vous allez comprendre. Heureux. Donc, en gros, voilà, je vous avais déjà donné en fait tous les contours. En fait, c'était juste les espèces de balcons que vous avez ici, en fait, que je voulais donner. La dimension. Je suis un peu compliqué la vie au niveau des plans, vous inquiétez pas. Alors maintenant, du coup, ce que je vous propose de faire, c'est la cheminée elle-même, d'accord? Donc, vous prenez la façade ici de la cheminée et je vais vous donner les dimensions, elle aussi. Ok, donc on va faire la cheminée comme ça. L'idée, c'est qu'on va reprendre cette forme-là. Du coup, on va la prolonger sur toute la longueur de la maison. Ici, là, vous voyez, vous avez une petite partie qui va être à l'intérieur de la maison. Donc cette partie-là, pour l'instant, on s'en occupe pas. D'accord? Vous faites, voilà, comme... Ah! Une ligne un peu comme ça et on refait toute la cheminée autour. On l'enlèvera plus tard. Mais voilà, comme vous le savez, et comme je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui aiment pas trop dans les commentaires des fois, où... je casse plein de choses et je les remets après. Non, c'est l'inverse. Je mets des choses et après je les casse. Et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui n'aiment pas ça dans les commentaires. Mais voilà, désolé, c'est ma façon de build. C'est ma méthode. Voilà, ça fait 10 ans que je fais ça. Je vais pas changer. Je vais faire mon boomer. Bref. D'ailleurs, je vais trop haut. Là, c'est pas ça qu'il faut faire. Voilà. On fait toute la cheminée, donc toute cette forme-là, on la prolonge sur, bah, sur toute la largeur de la cheminée. Allez, let's go. Hop. Voilà donc ce que ça donne. Alors du coup, au niveau du toit, enfin du toit, de la sortie de la cheminée, on va mettre hop, des blocs comme ça sur toute la longueur, ok, dans le creux. On va rajouter des feux de camp, pareil, sur toute la longueur. Et vous voyez que sur mon modèle, là, il y a quelques petites fumées qui s'échappent. C'est ça qu'on va faire. Ok, donc on met des feux de camp sur toute la longueur et on prend des escaliers d'andésite poli. Hop. Et on les met comme ça. Un peu. Hop. Et hop. Ok. Et par-dessus tout ça, on met des dalles de roche. Dalles de roche lisse, bien sûr. Hop. Et on les met comme ça sur tout le pourtour. Hop. Et vous voyez, ça bloque pas complètement toutes les fumées. Mais quand même suffisamment. Donc c'est... je sais pas, moi j'aime bien. Voilà. C'est une façon de faire. Donc du coup, voilà ce à quoi ça ressemble. On va continuer à mettre les poutres de la maison. Hop. On va venir prendre encore les bûches de chêne et on va venir ici, là, par exemple, dans le prolongement de cette poutre-là. Hop, traverser toute la maison. Ok, on va compter ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et au 7e bloc, on remet une poutre comme ça sur toute la largeur. Hop, et vous voyez, ça va être ça un peu le principe. On va faire des poutres de 6, de 7 blocs de large à chaque fois. On va laisser 6 blocs entre chaque poutre et on va le faire sur toute la largeur de la maison, sur toute la longueur. Hop. Et ici, là vous voyez, dans le prolongement de cette machin, balcon, voilà, on va prendre ces blocs-là, on va venir dans le prolongement et on va aller chercher toute la longueur de la maison. Hop. Jusque de l'autre côté qui est pile en face ici, vous voyez, de ce côté-là. Donc c'est vraiment... c'est vraiment fait pour ça. Yep, on reprend ici de l'autre côté, bien sûr. On refait la même chose. Hop. Et on refait s'aligner avec la cheminée. Ici, vous voyez, on reprend cette poutre-là, on la prolonge de l'autre côté. Hop. Et maintenant, tous les 7 blocs, on va mettre une nouvelle poutre. À partir de là, vous voyez, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7
on met une poutre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et au 7ème bloc on met une poutre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et au 7ème bloc on met une poutre. Normalement vous avez des poutres qui encadrent complètement cette sortie là de la maison. Donc ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs d'écart entre les poutres ici. Donc on est bon, vous voyez. Et donc ces poutres là, eh bien on les prolonge sur toute la longueur bien sûr. Hop. Voilà, donc une fois qu'on a ça, on va venir utiliser les planches de chêne pour quadriller complètement la maison. Pour quadriller, non pas du tout, pour mettre un plancher tout simplement. Donc ici, vous voyez au niveau des balcons, ce balcon là, ce balcon là-bas, et tous les cadres ici. Tiens d'ailleurs, on a oublié un truc, c'est ici, vous voyez cette poutre là, on va la prolonger elle aussi. Hop, hop, et hop. Et normalement, voilà, ça fait un joli quadrillage comme il faut. Hop, allez, on remplit tout ça de planches de chêne. Hop, ok, donc on a ça. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, ce sont les grandes... pas les poutres du coup, mais des piliers en bois. Hop, alors, pour les piliers du coup... Pour les piliers qui sont sur ce balcon là, ok, ils vont être faits en bûche de sapin écorcée, attention, et ils sont de 4 blocs de large, ok. Hop, pour les placer correctement, vous prenez cette poutre là par exemple, vous comptez 2 blocs de marge, et voilà ici sur l'alignement, hein, vous mettez les 4 comme ça. Pareil de l'autre côté, vous prenez cette poutre là en repère. Hop, ici vous comptez 2 blocs de marge. Et après, vous mettez vos 4 blocs comme ça. Pour avoir les bases du pilier. Ok, au niveau de tout le reste des piliers, ben, je vais vous donner les différentes hauteurs. Évidemment, il faudra les mettre au niveau des croisements. Ici, vous voyez, au niveau des croisements entre les poutres. Hop! Ok, alors une fois qu'on a ça, on va venir mettre les poutres de... Alors, on va même mettre d'autres poutres, t'inquiète. par exemple, vous allez compter ici la base du pilier jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs de hauteur. Et au 7ème bloc, vous mettez une poutre comme ça. Alors, faut pas la mettre tout du long. Bon, vous la mettez que jusqu'ici pour l'instant, on verra où est-ce qu'on la mettra après, parce que le toit va venir par-dessus. Et voilà, donc on mettra la poutre correctement plus tard. Ici, pareil, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop, ici comme ça. Ici sur la longueur, et ici on laisse peut-être quelques blocs de marge avec le pilier ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, si mes... bloc veuille bien s'afficher, je ne sais pas. Ah voilà. Voilà, bon pareil, on laisse un petit peu de marge. Et par contre, à partir de là, on met la poutre sur toute la longueur. Youp. Hop, comme ça. Ok. Une fois qu'on a ça, du coup, on va venir mettre les... pas des poutres pour le coup, mais... Si, ça peut être des poutres d'ailleurs. On va venir ici sur ce pilier là. Hop, hop, on va mettre comme ça. Paf, comme ça. Ok. Ici. Hop, ici comme ça. Vous voyez donc que des blocs de 2 par 2 à chaque fois. D'accord. 2 par 2. Hop. Hop, ici pareil. Hop. 2. 2. Alors normalement, il faut toujours les mettre dans le sens aligné par rapport... enfin, dans ce sens-là. Voilà. Hop. Ici, comme ça. Hop. Voilà. Donc normalement, vous avez une poutre de 3 blocs de large au niveau du toit, à ce niveau-là, comme ça. D'accord. Ici, on va faire un peu la même chose. Donc... on va faire les choses comme ça. Hop. Hop. Vous voyez, l'idée, c'est toujours de garder, encore une fois, des blocs de 2 par 2. Sauf que ce coup-ci, on va partir comme ça. D'accord. De ce côté-là, on avait directement commencé en diagonale. Ici, on commence bien.
de cette façon. Ok, et après on monte de 2 par 2 à chaque fois. Hop, donc là 2, 2, 2, 2, etc, etc. Hop. Vous voyez, ok. Hop. Hop. On arrive pile poil au niveau du dessus des piliers normalement. Hein. Si tout va bien pour vous, c'est ce qui devrait se passer. Hop, et au niveau du dernier, eh bien voilà, on a juste le bloc du pilier du dessus là qui dépasse et puis c'est tout. Hop, on repart comme ça. On enlève les blocs comme ça aussi. Hop, ok. Et ici, on part comme ça jusqu'à rejoindre la cheminée. Hop, voilà. Ok, donc ici de ce côté-là, on va pas mettre, de poutre comme ça, comme l'autre côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement utiliser les dalles de sapin pour pouvoir, si je les trouve, voilà, les dalles de sapin pour pouvoir mettre la base du toit directement. Alors, on va aller dans ce côté-là parce que c'est plus facile. On va mettre, hop, une dalle ici, une dalle comme ça, voilà, et on va respecter, youp, la progression normale. Hop. Hop, vous voyez, donc comme ça, hein. Et ce, surtout, bah, toute la hauteur du toit. Paf, 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 et paf, pouf, 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 pouf. Ok, là, du coup, on a vraiment un joli toit sur notre, sur nos briques, nos trucs, nos bûches, voilà, nos boutres, voilà. Je ne trouvais plus les mots. Hop, donc pareil ici, hop, 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 et hop, 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 paf, ok. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ok, une fois qu'on a fait ça, du coup on prolonge le toit sur une bonne partie de la longueur, hop, en tout cas jusqu'ici. Et alors, ah oui, alors, on n'a pas fait ça, mais il va falloir le faire, c'est le deuxième étage en fait. Le deuxième étage, on va venir reprendre les bûches. On va le faire tout de suite, comme ça, moi, c'est fait. On va venir reprendre les bûches ici. On va venir faire exactement la même chose que ce qu'on avait fait en dessous, ici, vous voyez. Refaire toute cette partie-là, ok. Eh bien, on va refaire exactement la même chose au niveau du dessus, d'accord. Yep. Ok, en termes de charpente, voilà ce que ça donne. Et maintenant, voilà, on va mettre des planches. Mais hop, ok. Donc, pourquoi j'ai fait ça déjà? Oui, c'est ça. C'est parce que il faut que le toit aille au moins jusque ici. Un peu, ouais, donc en fait, il va même dépasser de 3 blocs comme ça au-delà des dernières poutres. D'accord. Hop, donc on reprend les dalles de sapin et on fait ça et on descend et on descend. Paf, 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 paf. Et on est à les 2, 3 blocs de dalles par derrière notre dernière poutre à ce niveau-là. Ok, donc très bien. Alors, on a notre repère pour faire notre toit à ce niveau-là. Maintenant, on va reprendre cette façade-là. Alors, j'ai mis un petit repère. J'ai mis un bloc de dalles de sapin. Un bloc de sapin, tout simplement, au niveau du dessus, au niveau du sommet, comme ça. Et à partir de là, on va descendre en dalles. Une dalle par une dalle, hop, comme ça, en escalier, hop, hop, et puis voilà. Donc là, vous inquiétez pas, ça matche pas avec l'autre partie du toit, mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer malgré tout. Hop, on refait la même chose de l'autre côté. Hop, pour l'instant, on fait ça comme ça. Hop, hop, hop. Hop, hop, ok. Maintenant, le repère du toit, on va le faire dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on va prendre ce bloc-là, enfin cette dalle-là, et on va venir en escalier, pareil que ce qu'on a fait de l'autre côté du coup. Hop, monter comme ça. Alors d'ailleurs, petit repère aussi, on peut prendre la partie du toit à ce niveau-là et la prolonger sur toute la longueur
Comme ça, on peut être sûr que si jamais avec cette partie-là, on la rejoint, eh bien, on est nickel comme il faut. Et paf! Ah! Il y a un souci. Il y a un souci quelque part. Donc, bon, on va juste enlever un bloc au-dessus un peu de toutes les... hop, tout l'espèce d'escalier qu'on vient de mettre, là, vous voyez. Et on va juste faire ça comme ça. On descend tout d'un bloc, comme ça on est sûr de d'être raccord avec l'autre côté du toit. C'est quand même intéressant. Hop, hop. Les petits soucis, ça peut arriver. Hop, voilà. Donc voilà, normalement on a notre repère de toit, quasiment, pas tout à fait encore. On repart dans ce sens-là, vous voyez, ici, et... Et pourquoi il dépasse d'un bloc? C'est pas grave. Hop, on descend jusqu'à la cheminée. Et en réalité, normalement, on devrait passer à... Ah non, ok, on arrive sur la cheminée comme ça. On longe la cheminée ici, en mettant des dalles. Et vous voyez qu'on est raccord avec l'autre partie. Paf, ici, comme ça, très bien. Donc, une fois qu'on a nos... comment on appelle ça? Nos repères. On va faire le toit. On va faire l'intérieur du toit pour l'instant. On fera les bordures juste après. Ok, on va partir des bords ici, des coins comme ça. Et on va faire ça comme ça. Tous les dalles qui sont à la même hauteur, on va les rejoindre entre elles. Hop, comme ça. D'accord. Et vous voyez que depuis, enfin de l'extérieur, on verra une espèce d'angle comme ça de toit. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal du tout. On va faire un truc comme ça normalement après. Après qu'on fera les bordures. Bref, on fait ça. Hop, et on le fera de chaque côté, de l'autre côté ici aussi, bien sûr. Allez, let's go. Et hop. Voilà ce que ça donne, du coup, avec le toit rempli, en tout cas. Vous voyez, donc, on fait bien sur les côtés ce genre de choses. Hein. Tac, 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 à chaque fois. Même chose de l'autre côté, ça nous donne une forme comme ça. Alors là, si vous avez remarqué, si vous êtes perspicace, mais je pense que vous l'êtes, j'ai mis les bordures du toit. À ce niveau-là, d'accord. L'idée, c'est qu'on va refaire exactement le même toit, sauf qu'on va le décaler de part et d'autre. Donc, on va venir reprendre le sommet ici, vous voyez, le sommet comme ça pour lequel on est aligné avec le reste des piliers. Et on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 blocs. À partir de 10 blocs, du coup, on va faire vraiment la bordure ici. Donc, sur la bordure... Ça va être exactement la même chose que le reste du toit. Voilà. Sauf que, enfin, on le fait, ici. Hop, on vient jusqu'à un bloc. Regardez. Derrière la cheminée. On était resté à ce niveau-là. Donc au niveau de la cheminée, hein, tout à l'heure. Et hop, on va faire juste un bloc de plus à ce niveau-là. Ok. Au niveau du bas, ici, bah, on se décale de 1, 2, 3, 4 blocs par rapport à la façade à ce niveau-là, ok. Et on fait une forme comme ça, hein, donc c'est-à-dire qu'à partir du coin ici, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs de plat. Puis après on va monter en diagonale normalement de une dalle par une dalle, comme ça, comme le reste du toit. Et normalement vous devriez arriver au sommet ici qui est aligné avec le sommet qu'on vient de faire. Ok, on redescend dans l'autre côté, et on a la même chose ici, hein, vous voyez. Donc avec juste deux blocs de plat à ce niveau-là, et on va faire un décalage de 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs ici. Donc on a juste voilà, un bloc de moins par rapport à la largeur de la terrasse en dessous, par exemple, pour avoir un repère. Alors oui, cette partie-là, du coup, maintenant. Ok. On vient compter à partir du bord de la cheminée ici. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 blocs. Ok, là c'est le 11e bloc. Après, dans ce sens-là, on va mettre une espèce de petite fenêtre, d'accord, dans le toit. Et on va compter donc à partir de là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs. Ok, comme ça, en longueur. Et à partir de ce bloc-là, on en met un bloc par devant. Et des diagonales comme ça, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs de diagonale, de dalles, hein, un escalier en dalles, la même chose de l'autre côté, et après on recolle comme ça, et normalement on a 3 blocs ici pour rejoindre le bout ici qui repart après en diagonale comme ça.
J'espère que vous avez tout bien suivi. C'est pour les repères pour faire les bordures du toit. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à tout relier ensemble. Vous voyez ici, là, paf, 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 paf. Ici, pareil. Voilà, donc tac, tac, de l'autre côté, on relie tout. Pareil ici, on va relier. Et ici, on va faire pareil que tout à l'heure. On va mettre les blocs comme ça. C'est des dalles, donc c'est pas des blocs, mais voilà. J'utilise le mot bloc. Youp. Paf, 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 paf. Paf, voilà. Etc, etc. Vous avez compris le principe. Hop. Et puis après, on les relie sur le côté comme ça. Etc, etc. Allez, on fait tout ça. Et hop. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, on commence à voir vraiment la forme du toit ici qui se dégage. Hein, la forme de la maison de manière générale. Donc c'est plutôt cool. Alors maintenant, on n'a pas du tout fini le toit. Hein. On va utiliser les dalles de chêne, vous allez voir. Donc ça, c'est un truc que j'aime bien aussi dans cette maison. C'est le fait que vous voyez, il y a des dalles en sapin et des dalles en chêne en dessous. Donc le toit est doublé en fait en épaisseur. Et ça, c'est plutôt cool. Vous voyez. Pour avoir cet effet-là, on va devoir hop, faire... hop. Donc voilà, on va mettre hop, deux couches de dalles. De sapin. Hop. Voilà. Je vais vous montrer sur la façade. Après, il faudra faire la même chose partout, bien sûr. Et juste derrière, on va laisser un bloc de marge. Et juste derrière, on va mettre des dalles en chêne. Hop. Hop. Vous voyez, comme ça, pour que ça ressorte. Et puis, faudra faire ça sur toute la surface à l'intérieur de la maison aussi. Ok, on va juste laisser un bloc de bord au niveau des bordures justement. Et après toute la surface à l'intérieur de la maison, ça sera uniquement des dalles en chêne qui seront visibles. Donc c'est vraiment, on va recouvrir toute la surface du toit depuis l'intérieur et ça va prendre pas mal de temps. Hein, je vais pas vous mentir. Hop, 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 hop. Et voilà. Et donc voilà, on va faire ce genre de choses là sur toute la surface de l'intérieur. Ça va prendre un peu de temps. Allez, let's go. Hop. Et ben voilà ce que ça donne, hein, du coup, vraiment, quand on recouvre toute la surface du toit, voilà, avec des dalles. Alors du coup, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire les petits ajustements. On va venir reprendre la poutre qu'on a ici, vous voyez, et on va, hop, hop, la mettre carrément dans le toit, comme ça. Vous voyez, donc ici, normalement, c'est bon. Ok. Alors, on va venir reprendre les bûches de sapin écorcé et on va venir en mettre ici, vous voyez, à partir du pilier ici comme ça sur le côté, la même chose de l'autre côté ici comme ça, d'accord. Et maintenant, à partir de maintenant, on va remettre les murs, on va mettre des planches comme ça. Alors ici sur la façade, on va mettre que deux planches ici sur le côté, à côté de la chine, j'allais dire, mais c'est en fait la cheminée qui a rien à voir, hein, oula. Hop. Donc lorsque vous n'arrivez pas à coller avec le plafond ici parce que ce sont des dalles, on enlève les dalles et on met tout simplement les blocs à la place. Comme je disais, hein, moi ma méthode de construction c'est surtout je mets des grands trucs à la base puis après j'enlève au fur et à mesure et je remplace. Voilà, c'est comme ça. Vous voyez ici là je peux pas mettre de blocs donc j'enlève, paf, ici, comme ça. Voilà, donc après au niveau des grandes cases comme ça, on va tout mettre en... Enfin on va mettre les murs quoi tout simplement. Hop, hop, ok, donc voici un peu ce que ça donne avec les murs. Alors j'ai pas mis tous les murs bien sûr, au niveau du premier étage à ce niveau là vous voyez, toutes les ouvertures qui donnent sur la terrasse, eh bien j'ai fait des grands trous en fait dans les murs pour laisser les ouvertures bien sûr. Donc l'idée c'est de laisser juste un bloc sur le côté, donc entre les poutres hein, je parle bien, un bloc sur le côté à côté des poutres et deux blocs au niveau du plafond. Donc vous avez... Hop, une ouverture de 4 blocs sur 4. Voilà, et ce, à chaque ouverture ici, comme ça, hein, sur les 4 ici, sur plus celle-ci. Hop, et ici, on a fait une ouverture, du coup, dans le mur, qui est de 5 blocs de large, en plein milieu, et de 4 blocs de haut. Ok, alors au niveau du deuxième étage, du coup, maintenant, on va s'occuper de la façade après. Au niveau du deuxième étage ici...
Ce qu'on a fait pour avoir une idée simple, c'est qu'on a laissé tout simplement une ligne comme ça de blocs sur tous les contours de notre espace à ce niveau-là. Vous voyez ? Youp, une ligne de blocs comme ça. Tac, 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 tac. Alors, maintenant, une fois qu'on a ça, au niveau de l'intérieur de la maison, on va quand même mettre en place un deuxième étage, ou en réalité, ça sera plutôt une mezzanine, comme vous avez vu sur la maison que j'avais fait avant. On va partir du coup de ce pilier là, d'accord, à côté de la façade, et ici on va faire une ligne, on va mettre une poutre tout simplement sur toute la longueur, comme ça, à côté également, hop, hop, comme ça, et on va reprendre ce croisement ici de poutre, et on va mettre une poutre comme ça qui va faire toute la largeur. Hop, hop, on la prolonge ici comme ça. Et maintenant, on va reprolonger à partir d'ici, pareil, une poutre comme ça pour que ça donne cet effet-là. Et pareil, à ce niveau-là, vous voyez, tous les croisements ici comme ça, on les prolonge comme ça. Ok. Et on va mettre du plancher, pareil, dans tous les trous qu'il y a ici, hein, du coup. Allez, hop. Hop. Alors, voilà, une fois qu'on a rempli tout ça, il y aura juste, ici, là, vous voyez, cette partie-là, où on va rajouter des blocs là où on peut. Et là, vous voyez qu'avec le toit, ça nous fait un espèce d'effet un peu bizarre. Et donc, on va venir reprendre les dalles de chêne et on va remettre tout à niveau. Comme ça, vous voyez, ça fait quelque chose déjà de plus propre par rapport à l'autre côté. Vous voyez. Hop. On va refaire la même chose. Voilà, ça, on a cet effet-là. Et donc, les dalles comme ça. Voilà, bah très bien. Ok. La façade, peut-être, ça serait pas mal de la commencer, en tout cas, peut-être pas de la finir, mais... Alors, ici, on a donc bel et bien nos trois blocs de côté, comme ça. Ici, sur le côté, on va faire un pilier qui va aller jusqu'au plafond. Ok. Puis après, on a ça, normalement. Ok, donc on va le faire descendre de 1, 2, 3, 4, 5 à partir du plafond. Et on va avoir une forme comme ça. Ok, donc l'idée c'est qu'on va venir utiliser des blocs de verre. Voilà. Donc au-dessus de ces deux parties-là, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs de vitre ici. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur le côté. D'accord ? L'idée c'est qu'on va refaire ça de l'autre côté, évidemment, de la porte. Enfin, de la façade. C'est pas une porte, du coup, mais... Allez, voilà. Hop, hop. Alors, combien j'avais dit ? 7 et 8, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, voilà. Et donc, normalement, on est aligné avec l'autre côté de la porte. Ok. Je vais dire ça, je vais sûrement appeler ça la porte, même si c'est pas vraiment une porte, normalement, mais... Alors... On va revenir reprendre du coup, continuer à prendre les bûches de sapin écorcées et on va venir au niveau du plafond faire, hop, quelque chose comme ça. Donc partout là où on ne peut pas mettre de blocs directement collés au plafond, bah, on enlève les dalles et on met les blocs qu'il faut. Hop, hop, voilà, donc l'idée c'est qu'on va mettre deux blocs, hop, de hauteur, alors là j'en ai mis 3 du coup. Ok, donc là l'idée, sur le côté de notre pilier ici, où on met deux blocs de bois. Puis après on met toujours deux blocs de bois par rapport au plafond. Et puis en plein milieu il y aura une ligne de 3 blocs. Et puis sur le côté ce sera juste deux blocs. Et un seul bloc comme ça. Sur le côté à ce niveau là, d'accord, donc on fait vraiment une ligne comme ça, la même chose, voilà, un bloc de décalage ici sur le côté, puis 2, puis 2, puis 3, et puis re 2, 2 et 1, et puis là en hauteur par contre c'est toujours deux blocs par rapport au toit, en hauteur,
On fait la même chose derrière. Hop. Paf, paf, paf. Hop. Et après, on mettra une grande fenêtre qui ira très bien. Alors, avant de mettre la fenêtre quand même, on va venir prendre... Alors, ça seront des blocs de sapin, de planches de sapin. Vous voyez ici, comme ça, hop, des planches de sapin sur deux blocs à l'intérieur de la porte-fenêtre. Normalement, c'est... Ouais, on va appeler ça la porte. Normalement, c'est la façade. Faudrait que j'appelle ça la façade. Donc, ici, au niveau du bas du pilier, on va faire deux blocs comme ça, deux sapins, et on va monter comme ça, youp, touche qu'au-dessus. Hop, paf, paf. Et on met deux blocs de hauteur à chaque fois. Hop. Vous voyez, comme ça. Normalement, on a cette forme-là. Très bien. On va utiliser les blocs de verre. Alors, je sais plus si ce sont les blocs de verre ou les glass panes. Je sais plus comment on appelle ça, les vitres. Donc non, ce sont bel et bien des blocs de verre que j'ai utilisés. Donc, on va mettre ça comme ça. L'idée, c'est qu'on va recouvrir ici toute la hauteur. Et on va laisser 3 blocs de hauteur sous plafond ici, en dessous de la fenêtre, pour qu'on puisse passer quand même. Donc... Ici, on recouvre toute la hauteur. Hop. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, on va venir utiliser les minerais. Non, c'est pas les minerais, c'est les murets. Les murets en diorite. Parce que moi, j'aime bien la diorite. La diorite, c'est bon, mangez-en. Non, c'est une bêtise, hein, mangez pas la diorite. C'est pas une bonne idée. Bref, on va venir faire des piliers de diorite ici comme ça, donc c'est-à-dire on va laisser deux blocs de marche par rapport au bord de la fenêtre. Et on va les faire monter comme ça, hop, pour que ça ressemble à ça, vous voyez. Donc sur le dessus ici, on va laisser trois blocs de marche par rapport au dessus, deux blocs par rapport au côté. Et sur le, ben voilà, sur le, on va faire une arche un peu comme ça de diorite qui ressemble à ça. Ici, genre au même niveau que les poutres, peut-être, ouais. Au même niveau que les poutres ici, donc je sais plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs de hauteur. D'ailleurs, à ce niveau-là, on va rajouter des poutres aussi, comme ça, pour que visuellement ça colle bien. De l'autre côté, pareil, c'est ici. Voilà. Et pareil, donc ici, on va venir reprendre les murets de diorite et on va venir les mettre comme ça aussi pour que visuellement, on ait l'impression d'avoir voilà, quelque chose qui se tient, qui est continu. Et puis, voilà, donc, on va pouvoir passer... on fera des petites finitions un peu plus tard, ainsi que les charpentes. On va passer à l'escalier qu'il y a ici, comme ça, on aura fini la structure. Ici, entre le bord de notre terrasse et le sol, ici, on va mettre un escalier qu'on va mettre... en dalle de chêne, hop, comme ça, et qui va faire quasiment toute la largeur de la terrasse. Hop, 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 on descend d'un bloc en un bloc, enfin d'une dalle par dalle, jusqu'au sol, hop, comme ça, voilà. Et on va mettre évidemment notre escalier, comme ça, sur les 5 blocs de large. C'est 5 blocs, 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon, hop. Les 5 blocs de marge de notre escalier, de large. Hop. Voilà, donc ça pour notre escalier. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser les bûches de chêne et on va venir les mettre comme ça sur le côté, hop, de notre escalier pour faire une rambarde. Hop, comme ça. Et comme ça aussi. Hop, comme ça. Un peu... Et ici, à la toute fin, on va mettre un bloc comme ça vers le haut, ok. Et puis peut-être comme ça même d'ailleurs, histoire de marquer un peu plus le coup. Alors, non, on va pas faire ça comme ça, on va mettre ça comme ça. Et c'est devant ici comme ça qu'on va mettre un truc comme ça. Voilà, je parle très bien la France. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les portillons en bois noir, comme ça, en bois de chêne noir. On va venir les mettre ici, ici, hop, comme ça, donc pas ici, hein. Pareil de l'autre côté, ici dans le creux, à chaque fois, paf, paf, d'accord.
les barrières de chêne noir du coup comme ça. Et ici. Ok. Et par-dessus tout ça, on va rajouter des trappes en sapin. Paf, 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 paf. Petite astuce aussi d'ailleurs, si vous voulez placer des trappes comme ça, vous pouvez vous accroupir pour pouvoir placer des trappes sur les portiques, les portillons. Ok, une fois qu'on a ça, on va rajouter des dalles de chêne. Pouf, 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 comme ça. On va finir la terrasse tant qu'à faire, il faudra faire la même chose au-dessus après, c'est qu'on va venir utiliser les bûches de chêne ici, comme ça, sur le prolongement des poutres. Vous voyez ici, paf, 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 dans le coin aussi, et ici. Et alors, du coup, on va mettre des barrières ici, comme ça, donc à un bloc des, de nos bûches à chaque fois. Ok, comme ça, donc paf, 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 paf. Et voilà. Et le reste, on va mettre des portillons à la place qui reste. Voilà. Hop, et ici. Comme ça, d'accord. Et par-dessus tout ça, on va rajouter du coup des trappes. Alors, des trappes en sapin, voilà. Paf, 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 paf. Et avec ça, non, 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 voilà, voilà, voilà. Ok. Donc voilà, ce qu'il nous reste à faire maintenant, ce sont les dalles de chêne à mettre ici. Et puis, n'est-ce pas sympathique? On fera la même chose au-dessus, après, il faudra refaire aussi la même chose sur le devant ici de notre balcon. Ok, alors on va faire les entrées du coup sur le côté à ce niveau là, vous voyez, et à l'arrière aussi. Donc j'ai mis la première partie du toit. L'idée c'est qu'on va faire un toit sur cette entrée là qui va être beaucoup plus profond d'un côté et beaucoup moins de l'autre, en fait, pour rappeler un peu la forme du toit qu'on a au dessus Ok, donc ce qu'on va faire, on va enlever déjà une première ligne de blocs de pierre taillée jusqu'ici, d'accord? Et on va, hop, mettre un bloc par-dessus comme ça, et puis le faire avancer de deux blocs sur par devant en fait le bord du mur, d'accord? Puis on va le faire descendre, hop, jusqu'ici, c'est-à-dire à 1, 2, 3, 4, 5 blocs sur le côté du mur. Ici, pareil, bah, on monte jusque là, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs par rapport au côté de ce mur-là. Après, on redescend. Hop. C'est-à-dire 3 blocs par le côté du coup de ce mur-là. Ok, que ça dépasse. Et évidemment, on fait dépasser de deux blocs aussi par devant notre mur ici. Pouf, pouf. Alors, et évidemment, après, il faudra prolonger sur toute la surface. Enfin, sur toute la longueur. Hein. Yup. Hop, voilà. Et ce, sur toute la longueur ici du mur. Hop, hop. Et hop. Alors voilà ce que ça donne. Je vais peut-être mettre un night vision, ça serait pas mal. Vision disable, ok. Alors on va aussi rajouter un bloc de mur en pierre taillée sur ce côté-là. Ok, donc on en enlève un d'un côté, on en rajoute un de l'autre. Hein. Hop, voilà. Alors, autre petit détail. À ce niveau-là, on va faire dépasser le mur d'un bloc sur le côté. Hop, comme ça. Et on va reprendre les blocs de planches de chêne et on va venir les mettre ici. Deux blocs. Ouais, ok, deux blocs de large sur les côtés. Hop. Hop, quelque chose comme ça. On va peut-être rajouter des escaliers sur les côtés comme ça pour faire vraiment un truc un peu propre. Ok, donc comme d'habitude,
Hop, alors... si on fait un trou là, est-ce que ça... Non, c'est bon, on voit pas par-dessus. Ok, comme on avait fait juste avant pour le grand toit, on va venir reprendre les dalles de chêne et on va venir les mettre par-dessus. Alors peut-être mettre ça comme ça plutôt, voilà. Hop, comme ça. Hop. Alors, voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que j'ai oublié ? On va prolonger le mur à l'intérieur de la maison sur quelques blocs. Juste histoire de pouvoir faire un truc que j'ai envie. Hop. Hop. Comme ça. Ok. Et sur un troisième bloc de large. Hop. Et on va rajouter les escaliers comme ça. Ok. Donc, une fois qu'on a ça, on va juste rajouter des blocs de verre. Youp. Et même des vitres, est-ce que ça fait... Est-ce que, je sais pas, là je teste un truc. Pourquoi pas. Pourquoi pas, je ne sais pas. Au niveau du sol, on va changer le sol aussi. On va rajouter, on va mettre un sol en pierre. Mais avec différents types de pierres. Un peu ce qu'on a fait au niveau de la cheminée. On va venir reprendre différents types de cailloux. On va prendre de l'andésite par exemple, de l'andésite poly, pourquoi pas, de l'andésite poly plutôt que l'andésite, ou du granit, pourquoi pas. Le granit, c'est vrai qu'on l'utilise pas beaucoup. Que peut-on mettre de blocs intéressants? Pierre taillée au sol, ça serait too much avec le... Je sais plus du tout ce que j'ai mis au niveau du sol, au niveau de mon modèle qu'on avait fait en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne Twitch aussi. On avait mis de la pierre, andésite poly effectivement, avec de la roche lisse. Hop. Donc oui, on fait les maisons et tout comme ça, les constructions sur Twitch ensemble. Donc voilà, je vous pose des questions d'ailleurs pour savoir si vous voulez que je présente les choses d'une manière ou d'une autre. Donc c'est cool, comme ça vous pouvez me dire ce qui vous plaît pour les prochains tutos. Donc n'hésitez pas à aller sur Twitch pour builder avec nous. D'ailleurs, il y a Fusix qui est avec nous là. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu dans le chat ou autre. Donc là, je suis présentement sur un serveur. Bref, au niveau du sol, du coup, on va mettre des blocs aléatoirement. Hop, comme ça, avec de la pierre, avec de l'andésite poly. Elle dit pas de gros mots, elle est poly. Ouais, je sais, je fais des blagues pourries, mais j'aime bien. Hop. De la roche lisse. Comment ça se fait que... Voilà. Bon, par exemple, et voyez donc l'idée... Ah voilà, il a quitté. Bon, l'idée c'est que l'on va reprendre ce pattern-là de bloc et le faire sur toute la surface de notre rez-de-chaussée. Allez, let's go. Hop. Hop, voilà ce que ça donne du coup. Alors... À ce niveau-là, du coup, on est vraiment sur l'entrée à l'arrière du bâtiment, donc on va pouvoir mettre un toit au-dessus de notre... des deux petits murs qui restent. Donc on va vraiment mettre des dalles comme ça sur le bout. On va venir faire un toit qui va ressembler à ça, d'accord, et on va laisser passer de deux blocs sur le côté. Voilà, si j'arrive à le faire, hop, voilà. Et après on va le faire dépasser de deux blocs, vous voyez, sur le devant du mur. Hop. Voilà, et on va venir rallonger le toit jusqu'à ce qu'il touche, hop, bah le reste de la maison, en fait, classiquement. Voilà. Hop, évidemment, comme tout à l'heure, on va venir reprendre les dalles de chêne pour pouvoir les mettre en dessous. Voilà. Yup. Ok. Une fois qu'on a ça, on va venir rajouter des blocs de planches de chêne pour les mettre ici. Ok, comme ça.
Alors, on va boucher les trous quand même. Voilà, très bien. Alors, on va rajouter du coup, pouf, des blocs comme ça, ainsi que les vitres. Hop. Comme ça, est-ce que ça fait quelque chose de correct? Ça a l'air en tout cas. Alors, une fois qu'on a ça, ben, on va continuer l'intérieur de la maison. On va pouvoir mettre un escalier pour monter au deuxième étage. Quand même, ça serait pas mal. Donc, on va le faire ici. On va faire un escalier très classique. Hop, comme ça, sur deux blocs de large. En escalier de bois de chêne. Hein. Hop. J'ai essayé plein de façons de faire les escaliers. Mais vraiment, c'est voilà, c'est celle qui pose le moins de soucis. Hop. Voilà. Donc des escaliers comme ça, on met des bûches sur le côté. Hop. Hop, voilà. Donc on pourra mettre aussi effectivement les barrières, hein, exactement comme on l'avait mis ici. Et ces barrières là, en fait, il faudra les mettre absolument partout, que ce soit ici sur la terrasse de dessus, sur la terrasse à ce niveau là, on mettra la même chose, ainsi que sur la terrasse à l'avant, évidemment sur la bordure ici, on mettra tout ça de la même façon, et à l'intérieur aussi bien sûr, ok, entre voilà, ces bords là, hop. Hop, hop, voilà, paf, paf, etc, etc. Hein. Alors, maintenant, on va faire aussi l'entrée au niveau du sol, parce que, c'est là où vous l'avez vu aussi, donc ça c'est vraiment le dernier, on va dire, gros morceau de structure avant de passer aux finitions, qui sont particulièrement intéressantes, parce qu'il y a, voilà, toutes les charpentes et tout, vous voyez, ça c'est un truc de ouf, moi j'aime bien. Alors, on va faire ça. Voilà. Donc munissez-vous, je vous prie, de dalles de roche lisse ainsi que de pierres taillées. Et on va venir ici. Hop, j'ai placé des petits repères. Donc on va venir prendre le coin de notre cheminée ici. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs. Et on va mettre notre premier bloc de pierres taillées dans le sol. Ok, on va venir creuser ici comme ça. Sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 blocs, comme ça. On va venir mettre les pierres taillées comme ça sur 14 blocs. La même chose, hop, de l'autre côté. Alors, pour avoir cette ligne-là, il faudra compter 13 blocs entre ce bloc-là et ce bloc-là. Donc, juste l'écart entre les deux, c'est 13 blocs. Et entre ce bloc là et là-bas, normalement on en a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 exactement. On met les cailloux dedans. C'est pas des cailloux, c'est des pierres, mais c'est pareil. Hop. Et on va creuser là-dedans. Hop. Sur 4 blocs de profondeur, mais on va faire des marches. Hop. Ok, j'ai fait un trou. Hop. Qui ressemble à ça. C'est-à-dire que sur les deux premiers blocs ici, on va creuser d'un bloc de profondeur, puis de deux blocs de profondeur sur les quatre blocs qui suivent, puis sur les quatre blocs qui suivent encore de trois blocs de profondeur, puis après sur les quatre autres blocs qui suivent, on est à quatre blocs de profondeur normalement. 1, 2, 3, 4, ok c'est bon. J'ai creusé aussi en dessous des pierres taillées, pour pouvoir mettre un mur complet, hop, ici comme ça en pierre taillée. D'accord, la même chose de l'autre côté. Hop, et voilà, donc on a ça. L'idée c'est qu'on va venir mettre des dalles sur le sol ici comme ça. On va faire des marches de deux dalles par deux dalles, sauf à la fin au niveau du bas où on va mettre un plancher tout simplement de 4 blocs de large avant le mur ici. Hop, hop. Voilà, et donc ces marches-là, on va les prolonger sur toute la longueur ici. Hop. Voilà, donc, alors, il va falloir faire des trous dans le mur ici. Alors, je ne sais plus exactement à quel niveau. Hop. Ok, un bloc
de décalage à ce niveau-là, 3 au milieu, un autre de l'autre côté. Très bien. Et on va utiliser des escaliers en andésite poli pour faire ça. Alors, on va laisser un bloc ici de marge sur le côté. On va venir creuser ici comme ça. On va laisser deux blocs de hauteur par rapport au plafond. Et on va venir creuser ici là par contre. Hop. Comme ça. L'idée c'est de pouvoir mettre des escaliers en andésite poli ici comme ça. Ok. On prolonge ici le sol. On va laisser trois blocs d'espace comme ça. Ok. Ok, donc on est sur ce genre de choses. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir prolonger le mur ici en pierre taillée, hop, à la place du sol. L'idée c'est de ne plus voir de terre à ce niveau là ni de stone d'ailleurs. Un peu. Voilà, pour avoir un beau mur tout bien propre comme il faut. Hop. Voilà, les limites ça aussi. Hop. Et ici, hop, comme ça. Ok, donc on n'est pas trop mal. On va pouvoir ajouter un espèce de petit chapeau. C'est pas un chapeau, mais ouvrez vos chakras et vous y verrez un chapeau. À la limite, même comme ça, pourquoi pas. Ça peut faire sympa. Ok. On va rajouter des vitres à ce niveau-là, sur deux blocs. Est-ce qu'on peut passer en dessous? Oui, largement, très bien. C'est juste pour faire joli, hein, cette espèce de petit renfoncement dans le sol qu'on vient de faire. Parce qu'en réalité, ça n'a aucun intérêt. On pourrait avoir laissé la porte ici comme ça, grande ouverte, et avoir laissé la terre telle qu'elle. D'un point de vue pratique, ça n'aurait rien changé. Mais voilà, c'est stylé, c'est joli. À la limite, il n'y a même pas besoin de faire la maison si on va dans ce sens-là. Qu'est-ce que j'étais en train de fabriquer, moi? Je ne sais plus. Bref, on va faire la suite. On va mettre des piliers pour soutenir le balcon qu'il y a juste au-dessus. Ok, donc vous allez vous munir des bûches de chêne. Ok, comme ça. Et on va venir... Hop. Ah! Je vois un problème. On devrait décaler la deuxième porte de deux blocs sur le côté, parce que vous voyez qu'elle n'est pas tout à fait centrée par rapport à notre poutre centrale qu'on va mettre ici comme ça au milieu. L'idée c'est de la laisser comme ça arriver jusqu'à ici. Mais il faut que ce soit centré, et donc notre porte ici, on devrait la décaler de deux blocs sur le côté. Bon, je fais ça rapidement, hein, on la décale. Et hop, voilà. Donc on a 5 blocs d'écart au milieu normalement et pas juste 3. Désolé pour la confusion. Alors du coup, on va remettre 3 poutres ici comme ça en dessous de notre balcon. Ici notre première poutre, ici en plein milieu. Hop, une deuxième poutre ici là en dessous de la première barre de 3 quand on part d'ici, vous voyez. Hop, on va ici. Voilà, et la même chose ici. On arrive là. Ok, une fois qu'on a ça, on va venir utiliser les dalles de sapin et on va venir recouvrir tout le dessous de notre terrasse. Jusqu'ici, comme ça, vous voyez, en laissant un bloc de bord. Ok. Et on fait ça sur toute la surface. Hop. Ok, donc ben voilà, ça donne quelque chose d'un petit peu plus réaliste, ce qui est pas mal. Donc on va rajouter encore des supports en dessous de ces poutres là pour que ça tienne mieux, en fait, tout simplement. Alors on va compter 1, 2, 3, 4 blocs. À partir de là, on va mettre des dalles qui vont venir se coller au mur comme ça. Ok, on peut même en mettre un peu plus, tiens, tant qu'à faire. On va. Voilà. On va faire ça bien. Voilà, de 5 blocs de longueur, pourquoi pas. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Hop. La même chose ici, 3, 4, 5.
Hop. Ah, c'est tout de suite plus sympathique. On va rajouter pour l'éclairage des lanternes juste devant nos supports. Comme ça, ok. Impeccable. Très très bien. Donc du coup, on va rajouter quelques blocs de feuilles histoire de rajouter un petit peu de végétation, un petit peu de couleur. Est-ce que j'aurais oublié des choses? Non, il y a encore des fenêtres, mais ça viendra après. On va rajouter des blocs de feuilles ici, comme ça, sur le côté. Histoire de donner un côté joli. Hop. Voilà, pourquoi pas. Alors, du coup, au niveau de ce niveau-là, donc on va rajouter des blocs comme ça. Hop. Sur les extrémités. Et on va rajouter ce qu'on avait fait de l'autre côté, donc des barrières en chêne noir, des portillons en chêne noir, ainsi que des trappes en sapin. On va rajouter des barrières ici comme ça, par exemple. Hop, vous voyez, derrière les bûches, ça peut être pas mal. Et le reste, on va le mettre en portillon, comme ça, hop. Ok. Ben, ma foi. Alors, paf, on a mis peut-être un petit peu beaucoup de bûches, mais bon, c'est au choix. Hop, on peut rajouter, voilà, des... Je sais plus comment ça s'appelle, des trappes. Trappes en sapin, comme ça, par-dessus. C'est un petit peu minutieux, mais voilà, ça passe très bien. Des dalles sur les bûches. Ok. Et ben voilà, ça avance. Donc du coup, maintenant, on va passer à la partie qui m'intéresse, c'est-à-dire les charpentes. J'ai commencé à mettre, au niveau du dessus ici, des boches, des bûches de bois de chêne écorcé, ok, comme ça, c'est-à-dire que on va venir, alors pour les références, pour savoir où est-ce qu'on va les mettre, bon, vous partez du toit, partez de ce bloc-là, on va compter, donc, 1, 2, 3, 4 blocs, ok, ici, et on va compter 1, 2, 3, 4 blocs à ce niveau-là pour pouvoir mettre la partie du milieu ici qui est donc le embûche de chêne écorcé. On va mettre 3 blocs de chaque côté pour avoir une grande barre de 7 blocs ici, d'accord, 2 sur le côté, 2 sur le côté aussi, 2 sur le côté en dessous et 2 encore en dessous, vous voyez, comme ça. La même chose de ce côté ici, ici c'est juste qu'il y en a un qui est mal orienté, voilà, 2 ici, 2 ici, 2 en dessous en escalier, 2 en dessous en escalier. Et on a ça. Donc une fois qu'on a ça, on va venir reprendre les dalles de chêne. On va venir les mettre ici comme ça. Deux ici, deux ici. Un ici, un ici, un ici. Pac, tac, tac. Ok. Donc là, c'est déjà plus sympa. On va venir reprendre... Je vais reprendre tous les blocs qu'on va utiliser pour faire la charpente. Parce qu'au final, vous voyez ce que ça donne. Il n'y a pas un grand truc comme ça. Donc, on va utiliser des pancartes, des trappes en chêne noir. On va utiliser des planches de chêne noir, tant qu'à faire. Ainsi que des escaliers en sapin. Les planches de sapin. Et puis, puis ça a l'air d'être tout. On mettra les trucs derrière, d'accord. Alors, on va utiliser les planches de chêne noir en plein milieu. Ici, comme ça. Les sapins, hop, pour coller au plafond. Un bloc en dessous, me semble-t-il, et des trappes comme ça, sur le côté aussi, peut-être, non, pas sur le côté, sur le côté on va mettre des escaliers, hop, à l'envers, on creuse dans le toit, pouf, comme ça, vous voyez, escalier, escalier,
L'idée étant de donner une illusion de charpente. Et c'est très très bien, moi j'aime beaucoup beaucoup. On va mettre des planches de bleu de chêne noir ici, doublé de trappes. Et à l'arrière, par contre, on va mettre des blocs. Alors, on va pas mettre des blocs, on va mettre des escaliers, voilà. Je trouvais plus le nom. On va mettre comme ça. Hop, ça a l'air d'être bon ici. Là, par contre, on va mettre un bloc complet. Vous voyez, comme si en fait cette partie-là était suspendue par le toit par derrière, raccrochée par derrière. On va même le faire dépasser un tout petit peu, genre comme ça, pour qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui tient par derrière. On va faire la même chose derrière, enfin sur l'autre côté. Paf, 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 paf. Ok. Alors, en plus de ça, on va utiliser des supports. On va mettre des escaliers en sapin comme ça en dessous ici. Ok. Hop. Et puis derrière aussi. Des planches ici. Ici aussi. Donc, escalier comme ça. Et encore des planches en dessous. Histoire d'avoir un support supplémentaire pour la charpente. La même chose de l'autre côté du coup. Hop. Alors non, c'est comme ça, paf, paf. Ok. Voilà, je trouvais plus. Alors, on va utiliser des dalles de sapin à ce niveau-là aussi pour faire une fixation supplémentaire, on va dire. Hop, comme ça, vous voyez, paf, paf. Et pour mettre encore plus ça en évidence, on va utiliser les boutons en pierre. Paf ici comme ça et paf comme ça pour vraiment montrer qu'il s'agit d'une fixation. Hop. Et regardez-moi cette entrée, cette façade. Est-ce que c'est pas est-ce que ça envoie pas du pâté comme sans déconner. Alors on va peut-être passer aussi au niveau des fenêtres. On va faire une fenêtre à ce niveau-là, par exemple ici sur hop, à ce niveau-là, on va prendre des dalles de roche lisse, on va les mettre comme ça. Hop. On va utiliser des trappes comme ça sur les côtés pour faire un petit peu des volets, un semblant de volet. Hop, comme ça. La même chose ici sur le côté. Hop, sur 5 blocs, c'est ça? 1, 2, 3, 4. Non, ben non, 4 blocs. Alors, le seul truc aussi, effectivement, on va utiliser des escaliers à ce niveau-là en les mettant au milieu, comme ça, paf, paf. Des dalles ici sur le côté. Et voilà, donc pareil. Hein. Ça sera vraiment notre pattern de fenêtre pour toute le premier, enfin, pour tout la partie en bois, finalement, de la maison. Hop. Ok. Oui, donc on va faire les mêmes types de fenêtres à ce niveau-là. Hop. Alors, non, faudrait être aligné avec le haut de la porte ici, comme ça. Donc, une ici. Je vous fais juste les trous, hein, parce que c'est exactement la même chose à chaque fois. Alors, juste à ce niveau-là, on va faire une grande ouverture ici, carrément, tout en grand, comme ça. Alors, j'ai plus de vitres avec moi. Hop. On va mettre les vitres ici. Hop, alors où sont... non, on va pas mettre autre chose. Ici, pareil. Ok. Hop. Donc ici, c'est ok. Et ici, du coup... Le truc vraiment à respecter, c'est que vous voyez le haut des portes ici comme ça, il faut que ça corresponde avec le haut des fenêtres pour que la ligne soit respectée. Si on les mettait plus bas ou plus haut, ça ferait visuellement quelque chose de bizarre. Ici, c'est assez large, on a à faire
un pattern assez large, donc on va mettre deux blocs de murs sur le côté, du coup, et puis voilà, on a la même chose sur le dessus, hop. Est-ce que... Non, c'est bon à ce niveau-là. Donc, on va faire la même chose en dessous, du coup, hein, aligné avec les fenêtres du haut. On met les fenêtres du bas, comme ça. Et ces fenêtres-là, par contre, du coup, on va utiliser des dalles de roche lisse, hein, comme on avait fait pour tout à l'heure. Hop, ici, comme ça, et ici, hop, comme ça, hein, avec des vitres dedans, bien sûr. Hop. Hop, ici sur le côté on va utiliser tout simplement une porte, voilà on va faire une porte, parce que c'est bien aussi les portes, voilà, en quel type de porte, en porte en chaîne classique, ah oui alors forcément il y a, mettre des trucs au dessus, alors à ce niveau là on va mettre, ok il n'y a rien au dessus, donc on peut mettre deux fenêtres peut-être pour être aligné. 4 ici. 4 là. Hop. Alors ici, on va mettre des portes alignées avec... Enfin, des fenêtres alignées avec ce qu'il y a au-dessus. C'est toujours 4 blocs d'écart, hein, je crois. Ok. 1, 2, 3 blocs ici. Voilà. Et après, on le fera toujours de la même façon, hein, bien sûr, les... Ok. Comme ça. En dessous ici on en mettra pas ou une peut-être si on a la place. Peut-être que je crois que j'en avais mis une sur le modèle. Je crois ouais. Une en dessous ici. Une ici non. Mais par contre ici on peut. Donc on va faire ça ici. 4 blocs. 1, 2, 3. Là normalement c'est aligné pile au-dessus. Non pas du tout. Ok on va faire une fenêtre de 5 blocs de large. Hop. Voilà. Et on les fera tout de la même façon évidemment. Évidemment. Ok donc bah ça va, on avance plutôt pas mal. Ça c'est cool. Ici, il faudra mettre évidemment les machins là, les machins, la barrière en question, avec les barrières en chaîne noire et les portillons et les trappes et tout ça, ok. Ici comme ça, les portillons entre les deux. Ici aussi, voilà. Avec les dalles sur les machins et des trappes en sapin par-dessus. Voilà, je montrerai plus à partir de maintenant. Allez, les barrières sont toutes faites de la même façon. Du coup, voilà, faudra vraiment faire comme ça aussi. Ok, donc. Voilà, ici, pareil, je le montrerai pas, mais c'est comme ça qu'il faut faire, pareil, ici aussi. Alors, revenons à notre façade. Est-ce qu'on a fini la façade à ce niveau-là? Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Je vais quand même vérifier. Alors, on peut effectivement rajouter des choses supplémentaires. Par exemple, on peut utiliser des dalles de sapin pour les mettre ici, sur les poutres, en fait, qui sont visibles. Youp, même de l'autre côté, ici, comme ça. Hop, je laisse volontairement des trous ici. Voilà. Parce qu'on va y rajouter... Hop, des supports, exactement comme ce qu'on a fait en dessous de la charpente à ce niveau-là, vous voyez. Des supports comme ça. Et puis voilà. Donc on va le faire comme ça. On va partir d'ici. Hop. 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 Ah bah c'est pas mal ça, tiens. Et ok, donc on va faire la même chose ici.
Faudra faire un petit peu d'acrobatie peut-être pour pouvoir réussir à choper les blocs là où il faut. Mais ça se fait bien, ça se fait bien. Ok, donc je pense qu'on a fini la façade, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. On n'a pas fait les charpentes à l'intérieur et le toit, mais ici c'est déjà pas mal. Je vais vérifier juste un truc. Ouais, on va venir reprendre des dalles de sapin et on va venir prolonger ici une ligne de dalles. Alors pas sur le balcon, mais de l'autre côté aussi. Une ligne de dalles comme ça, qui va se prolonger si j'arrive à cliquer où il faut. Comme ça, tant qu'à faire jusqu'ici. Et ici aussi, à partir de là. Un peu. Ok. Alors, au niveau du dessus, ici, on mettra une barrière, hein, comme je vous l'ai dit. Le truc, c'est qu'on mettra aussi une ligne de dalle, comme ça. Un peu. Youp. Et jusque-là. Ok. Ici on n'en mettra pas parce qu'il y aura une charpente, et ici on en a mis une déjà, donc c'est bon. Ok, donc, à ce niveau-là, on va mettre une autre charpente à ce niveau-là aussi, c'est-à-dire qu'on va venir prendre le bord du toit, on va compter 1, 2 et 3 blocs à l'intérieur, on va enlever le bloc de dalle de sapin, de chêne qu'il y a ici, et on va mettre 1, 2, 3, 4 blocs de planches de sapin. Et en dessous, on va mettre du bois de chêne écorcé. C'est ça qui va nous permettre de faire vraiment notre belle charpente comme on aime bien. Donc, dans ce sens-là, du coup, le bois écorcé et une ligne de 4 blocs comme ça, ok, sur le côté. En dessous, on remet une ligne de 4 blocs et en dessous, une ligne de 3 blocs. Ok. Ici, sur le plein milieu, du coup, on a 4 blocs de sapin au-dessus plus un bloc de sapin en dessous et un escalier, d'accord. Et ici, sur le côté, on va mettre pareil que ce qu'on avait fait tout à l'heure, du coup, des escaliers en sapin, les uns par-dessus les autres, jusqu'à toucher le toit. Et ici, en dessous de ce bloc-là, on va remettre deux escaliers comme ça aussi. On va le refaire de l'autre côté, c'est-à-dire qu'ici, on va mettre 1, 2, 3 blocs comme ça. On va mettre ici 2, 3, 4 blocs, et ici, hop, 3 blocs comme ça, orientés vraiment vers à l'horizontale, d'accord ? Les escaliers, paf, 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 et paf, paf, ok. Une fois qu'on a ça, on va réutiliser les dalles en chêne. On va les mettre ici comme ça. Hop, ici, je pense que c'est bon. Ok. Du coup, c'est pas mal déjà. On va utiliser du coup les trappes en chaînes noires, elles sont là, ok. Et on va venir les mettre ici, comme d'habitude. Hop. Alors, je vais regarder vite fait sur ce que j'avais fait. Ouais, voilà. Donc j'ai mis des trappes aussi ici. Hop. Des trappes ici comme ça. Puis c'est cool. D'accord, il y a mon Night Vision qui vient de s'arrêter, ce qui est pas bien grave. Et puis on pourra rajouter des escaliers peut-être à la place de ce bloc là, ici comme ça, pour faire un support sur le mur. Vous voyez ? Ben ma foi. Si ça, c'est pas sympathique. Moi, j'aime bien les grosses charpentes comme ça. Alors, ici, sur le côté, enfin, sur l'arrière plutôt, plus exactement, on va rajouter des grosses charpentes aussi, mais ça sera la même chose que ce qu'il y aura derrière, enfin, ce qu'on avait fait sur le devant. Donc déjà, en tout cas, en dessous, au niveau du dessous ici, on va, à ce niveau-là, mettre un escalier. Puis après, on va utiliser des dalles comme ça, d'accord ? Donc ici
à 3 blocs en dessous du plafond. Hop, 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 hop. Et hop, je vais remettre un night vision quand même parce que strike c'est mieux. On rajoute des dalles après par-dessus comme ça, d'accord. Et puis voilà, ici aussi, un peu. Ok. Ça va déjà pas mal. On va donc faire la charpente à ce niveau-là. Donc je vous invite à venir prendre le repère du bout du toit, hein, comme d'habitude, et compter 1, 2, 3 blocs. On remplace ici des blocs par des planches de sapin. Deux planches de sapin, deux planches de chêne noir. Ok. Et sur le côté, on va mettre du bois écorcé sur 3 blocs, comme ça. Puis après, 2 blocs en diagonale. 2 blocs en diagonale ici, ici. En dessous, 2 blocs et 2 blocs encore en dessous. Ok. On va venir utiliser des escaliers en sapin. On va les mettre comme ça, comme ça, comme ça. Et comme ça. Hop. Alors, ici aussi, à ce niveau-là. Donc, on va rajouter... ou ici, peut-être plus. Ouais, voilà, ici. Comme ça, pareil, à l'arrière. Hop. Ok. Ok, ok. Ici, en dessous, on va utiliser des escaliers. Hop, comme ça. Pour soutenir le tout. Alors, on va utiliser encore une fois des dalles de chêne. Hop, comme ça. Ici. Pour adoucir un petit peu la forme, ainsi que des trappes. Hop. Trappes en bois. Hop. Pour donner à la fois un petit peu de relief et en même temps. Hop. Un contraste assez fort au niveau de la couleur. Vous voyez, et on va refaire la même chose de l'autre côté, hein. Donc on va reprendre les blocs ici, 1, 2, 3 blocs, paf, 1, 2, paf, 1, 2, 1, 2, hop, et encore 2 en dessous, ici comme ça normalement, c'est ça, et après voilà, on refait exactement la même chose, rapidement, et hop, ok. Donc ben voilà, c'est pas mal, on a des charpentes qui sont déjà pas mal. Évidemment, il faudra mettre des vitres, hein. Moi je vous le montre pas parce que ça prendrait du temps. Mais voilà, des vitres ici partout et on fait la même chose au niveau des fenêtres et on met les finitions, bien sûr. Alors maintenant, on va quand même faire un peu l'intérieur de la maison. On n'a pas du tout fait la cheminée depuis le départ. Donc on va venir reprendre les pierres, hein. Hop, la cobblestone, la fameuse. On va venir faire, alors... 2 blocs de haut, 3, 4, 5 blocs de hauteur déjà comme ça. Hop, on va laisser une ligne de pierre comme ça. Et on va faire ça comme ça. Par-dessus, on va laisser juste 2 blocs. 2 lignes de pierre au-dessus. Pourquoi pas, ou 3 si on veut. Hein. À la préférence de chacun. Alors, à ce niveau-là, du coup, on va vraiment faire une vraie cheminée, parce que c'est vrai que là, pour l'instant, ça ressemble pas à grand-chose. Hop, on va faire ça comme ça. Et on va venir utiliser des feux de camp. Hop, feu de camp, voilà. Hop. Et avec des petites... des vitres. Alors, attends. Youp. Voilà, des vitres comme ça. Ma foi, ça a l'air pas mal. Alors, au niveau de l'intérieur, du coup, au niveau des charpentes, en fait, on va refaire exactement la même chose que ce qu'on a fait par le devant et par derrière ici. Donc, c'est exactement les mêmes charpentes. Donc, hop, je vais vous montrer ça. Hop. Voilà, donc déjà, au niveau du bas, l'idée, c'est qu'il va falloir utiliser des escaliers en sapin. Pour au niveau de tous les piliers ici. Alors je sais pas si j'ai fait les piliers déjà. Je crois que je les ai même pas fait. Oulala, attendez. Non, allez, regardez, j'ai pas fait les piliers. Donc les piliers, déjà. On va venir ici au niveau des croisements. Paf, 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 paf. Et mettre des piliers jusqu'à par terre. À ce niveau là ici comme ça, hein, voyez l'idée. Hop. Au niveau de chaque croisement, entre des poutres,
à ce niveau-là, vous voyez. Hop, ici et ici. Hop, comme ça, pareil. Là et là. Hop, je pense que je les ai tous faits. Ok, et donc l'idée, une fois qu'on a fait ça, ça sera de mettre des escaliers en sapin pour faire un petit peu des supports comme ça, donc du coup sur trois blocs de en dessous le niveau du plafond, sur trois blocs de longueur, et normalement ça doit se toucher juste ici, et puis voilà, donc ça c'est plutôt sympathique, c'est facile à faire et ça donne, comme vous le voyez ici sur le couloir, un côté vraiment... vraiment, c'est pas habillé, sympa, j'aime bien. Hop, vous voyez ce que ça donne ici. On va laisser des blocs ici dépasser d'un bloc par devant. Ok, et on va mettre des petites lanternes à pendouiller en dessous, parce que ça rend bien. Ok, donc au niveau des charpentes elles-mêmes, là voilà, on va plus rigoler 5 minutes. Donc, on vient compter au niveau du toit, compter 1, 2, 3 blocs. Ok, et là on remet les blanches de sapin. Les planches de sapin sur 3, 4, 5 blocs, 5 planches de sapin. Et après, au sixième bloc, on va mettre les charpentes ici. Après, les charpentes, c'est rien de bien nouveau. C'est exactement la même que ce qu'on avait mis sur le devant, je crois. 3 blocs ici, 4 blocs en dessous. 3, ou peut-être elles sont un peu plus grandes. Ah, elles sont peut-être plus grandes. Donc, je vais reprendre avec vous les charpentes du coup. Niveau de la forme, 1, 2, 3, 4, 5 blocs au-dessus. À ce niveau-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs de large au niveau du bois de chêne écorcé. À ce niveau-là, sur la longueur, d'accord. En dessous, une ligne de 4 blocs de bois écorcé. Hop. En dessous, pareil, 3 blocs ici comme ça. Re-en dessous, 3 blocs. 2 blocs en dessous. 2 blocs en dessous et 2 blocs en dessous. Normalement, vous devriez toucher cette poutre à ce niveau-là. Et normalement, vous êtes bon. Ok, l'autre en face. Du coup, normalement, vous êtes bloqué par le mur ici, donc vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc, vous êtes bloqué à ce niveau-là. Mais sinon, c'est exactement la même forme. Hein. Tout pareil. Ici, pareil. Alors... Sur la dernière à ce niveau-là, on va devoir la couper au niveau, vous voyez, des 4 blocs qu'on avait mis ici, plus les 3 blocs en dessous. On n'ira pas au-delà, puisqu'il s'agit du deuxième étage, donc du coup, bah, on n'aurait plus la place de passer en dessous, ce qui serait dommage. Et donc, pour ce qu'on va mettre autour, donc il y a les choses classiques qui ne changent pas. C'est-à-dire, par exemple, le support au-dessus avec... Les escaliers qui partent comme ça en diagonale sur le côté pour pouvoir faire un support. Donc ça, voilà, je vous ai déjà montré. Les trappes en chaîne par-dessus, en chaîne noire, d'accord. Pareil, les dalles en chaîne ici qui viennent au-dessus, en dessous, histoire d'arrondir la forme, on va dire, voyez. Deux dalles de chaîne ici, deux dalles de chaîne en dessous, une dalle ici. Voilà, des dalles ici et là, pour vraiment arrondir la forme globale. Le truc qui change, c'est vraiment à ce niveau-là. Hop. Vous voyez donc, à partir d'ici, on va mettre un support en diagonale sur le plafond, comme d'habitude. Ici, en dessous, on va le prolonger, pareil, avec des escaliers. Donc ça, ça ne change pas. Donc on le fait ici dans le prolongement. Là, on a la barre centrale, le bois. La deuxième ici, dans le prolongement à ce niveau-là, on met les barres diagonales. D'accord. En dessous, à ce niveau-là, on va mettre des escaliers à l'envers et on va essayer de rejoindre le plafond, mais cette fois-ci, sur le côté. Hop, hop, etc, etc, vous voyez, jusqu'à arriver ici. Alors là, après, c'est un petit peu différent. Ok, vous faites des escaliers ici, comme ça, jusqu'à 1, 2, 3, 4 blocs de hauteur. Et juste quand vous êtes au niveau du toit, on va utiliser plutôt des dalles de bois. On va faire ça comme ça, vous voyez, pour pouvoir toucher le plafond plus facilement. La même chose en dessous, évidemment, enfin de l'autre côté je veux dire, hop, comme ça. Et voilà, donc ça sera la même chose de l'autre côté. Youp. À partir de là jusque là,
hop, et après on revient toucher le toit comme ça. Alors maintenant, je vais vous donner quand même l'écart entre chaque grande poutre comme ça, évidemment. Donc ici, comme je vous l'ai dit, on laisse deux blocs à partir du mur pour mettre la première grande charpente. Ici, on va compter 1, 2, voilà, attendez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et à partir du 10e bloc, on met nos blocs de sapin, nos planches de sapin sur 5 blocs de large, enfin de pendre de 5 blocs du toit. Ok, de l'autre côté ici, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 blocs. Et au 11e bloc, on met notre planche de sapin. Et pareil, on laisse deux blocs d'écart par rapport au mur ici, de l'arrière. Voilà, est-ce que j'ai tout dit? Au niveau des supports latéraux ici, vous voyez, des poutres qui sont sur le côté, normalement elles se rejoignent toutes au niveau du milieu, ok? Et elles sont toutes éloignées du centre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs. Ok, la même chose de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs du centre du coup des grandes charpentes. Alors, bon, j'ai mis pas mal de lanternes un peu partout, vous voyez. Mais alors, au niveau de la décoration d'intérieur, j'ai pas fini, comme ça se voit évidemment. Donc, les lustres et tout ça, j'en parlerai plus tard, peut-être dans une autre vidéo pour la décoration d'intérieur. Donc voilà, ça je ne l'oublie pas, mais ça sera pas forcément dans cette vidéo-là. Est-ce que j'oublie quelque chose? Alors oui, j'ai oublié un petit détail, mais qui, voilà, les détails c'est toujours sympa. Alors, c'est à ce niveau-là ici, à l'arrière, vous voyez, on avait laissé une porte, une ouverture ici. Eh bien, l'idée c'est qu'on va venir faire une petite cour à ce niveau-là, donc on va prolonger un peu l'intérieur de la maison, qui était fait en pierre et tout ça, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs de large, sur 2, 3, 4 blocs ici de long. Ou plutôt l'inverse, 7 blocs de long sur 4 blocs de large. Et on va utiliser aussi ben voilà, des feuilles, comme ça, sur 3 blocs de hauteur à chaque fois, ici, ici, et ici sur le côté, avec des blocs lumineux en dessous. Alors là, pour le coup, j'ai utilisé des lanternes aquatiques. On peut utiliser n'importe quel type de bloc lumineux, des grelampes, des glowstones, des grelampes. Moi, ça me rend fou, rien que le nom grelampe, qui a eu l'idée d'appeler ça comme ça, je ne sais pas. Mais c'est à la fois du génie et du troll, ou je sais pas, je... Voilà, grelampe, bref. Au niveau du dessus ici, vous voyez, bon, comme je le disais, en fait, rien de nouveau vraiment sous le soleil, mais je préfère rappeler au cas où, on a mis des bûches ici comme ça, à la verticale sur le coin, ok. Là en dessous de notre fenêtre, ici pareil, une autre bûche, des barrières ici comme ça, avec des portillons et des trappes par-dessus, voilà, comme à chaque fois. Et puis voilà, je pense que là, du coup, on est arrivé... Ah, si, évidemment! Le truc que j'avais oublié, regardez, sur le toit, ce sont des mosaïques. Des mosaïques faites avec des dalles de chêne noir, du coup, qui permettent de faire une espèce de dessin sympathique, qui ne se voit jamais, évidemment, puisqu'on regarde jamais la maison par-dessus. Mais qui fait quand même son petit effet que j'aime bien. J'avais essayé ça sur une autre vidéo déjà, sur une autre maison, et ça avait plutôt bien marché. Donc l'idée, on va venir sur le toit, on va venir prendre des dalles de chêne noir. On va enlever déjà une première partie des dalles. Alors on va juste garder les dalles qu'on avait mis en sapin au niveau du bout du toit ici, vous voyez, sur la façade et sur la façade de l'autre côté. Ça, on va les garder, parce que du coup, ça ferait bizarre si on mettait un chêne noir à ce niveau-là. Et après, on va creuser assez aléatoirement dans le sol à ce niveau-là, et on va, enfin dans le toit, on va dire, et on va enlever, plus on va descendre en fait de rangées de sapin, de dalles de sapin, moins on va faire de trous, et puis après, on va les mettre de manière les plus aléatoires possible, bien sûr, et après on fera la même chose de l'autre côté, et puis... Et puis on va faire ça comme ça. Vous voyez, on met de moins en moins de trous avec... quand on descend, en fait, tout simplement.
Hop. En tout cas, c'est comme ça que je fais, ça marche plutôt bien. Trois. Allez. Hop. Et peut-être. Voilà. Donc, l'idée, voilà. On fait plein de trous ici. Puis après, de moins en moins quand on descend. Et on remplace tous les trous qu'on vient de faire par des dalles de chêne sombre. Hop. Ok, donc bien sûr, il faudra faire la même chose de l'autre côté. Eh bien, là-dessus, on est plutôt bien. Je pense qu'on est arrivé à notre terme pour faire la maison. Du coup, évidemment, l'intérieur, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Peut-être dans un tuto d'aménagement, carrément. Et sur ce, n'hésitez pas à venir vous abonner à ma chaîne Twitch aussi pour pouvoir faire avec nous toutes les maisons, les futures maisons qui viendront en tutoriel. Sur ce, je vous souhaite à tous. Attends, 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 attends. Canne à pêche. Je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon vent matelot et à la prochaine.